parle de rugby. Le premier match des barrages du Top 14, c'est ce soir. Le Stade Toulousain reçoit le Racing Métro au Stadium. Victoire impérative pour les Toulousains qui veulent sauver leur saison. Jérémy Pelletier, Wilfried Templier. Disputer des barrages, ce n'est pas dans les habitudes du Stade Toulousain. Les 19 dernières saisons, le club haut-garonnais a toujours disputé les demi-finales du championnat. Alors une élimination face au Racing Métro ferait désordre. Ce serait forcément un échec. Maintenant, on n'a pas de pression particulière par rapport à ça. À un moment ou à un autre, les séries, il faut bien qu'elles s'arrêtent. On a gagné, comme je l'ai dit, 4 titres en 5 ans, 3 d'affilée. Bon, les autres aussi ont le droit d'être bons. Si on perd, on sera très déçus. Ce sera forcément un échec, mais ce ne sera pas non plus un cataclysme. Pour éviter tout faux pas, les champions de France prennent leurs adversaires très au sérieux. À Toulouse, on refuse même d'endosser le costume de favori, malgré 2 succès déjà cette saison face aux Franciliens. Un bon moyen peut-être de faire face à la pression. Nous les joueurs, on sait toujours que ces matchs-là, c'est 50-50. Le Racing est une très grosse équipe et on s'attend à beaucoup d'adversité. Donc nous, on n'est pas du tout dans la peau d'un favori, on est dans la peau d'une équipe qui va affronter un match éliminatoire. Un match éliminatoire que les Toulousains aborderont tout de même avec un avantage, celui du terrain. Cette saison, ils n'ont perdu qu'à une seule reprise à domicile.